qu'on voulait présenter, c'était surtout les différents outils d'aide à la décision qui existent à l'heure actuelle pour piloter l'azote, donc principalement sur colza et blé. Donc à l'heure actuelle, au niveau des études disponibles, on a les satellites, on a les drones qui sont arrivés depuis 2 ans, et on a des outils comme le N-Tester qui permettent de suivre le statut azoté de la plante au cours du cycle et d'ajuster la dose. Ces outils sont développés depuis, pour certains, plus de 15 ans, 20 ans. Donc sur certains outils, on a un bon recul et généralement, ces outils aident à prendre la bonne décision dans les 3/4 du temps. Tous ces outils-là, c'est un complément de la méthode des bilans qui est vraiment indispensable pour bien maîtriser ses apports. Par la suite, les outils d'aide à la décision vont permettre d'ajuster la dose en fonction des conditions météo de l'année, de l'évolution du rendement, suivant toujours les conditions météo.